J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle visite d'île sur Animal Crossing New Horizons. Et aujourd'hui, on est, je pense, sur une île de vacances, en tout cas par rapport aux photos d'Instagram. Ah là là, ça m'a fait rêver, ça m'a donné envie d'aller quand même, de partir en vacances et surtout de visiter cette île. Bref, on est sur Isla Libra. J'espère que cette visite va vous plaire. En tout cas, si vous me découvrez, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit like. Et tout de suite, voyons voir un peu cette carte d'île. J'espère... Oh, sympa! Très 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 sympa, j'ai hâte. C'est très souvent comme ça un peu quand même, hein, les îles de vacances, les espèces de comme de compartiments. Enfin bref, vous avez son code onéré qui s'affiche juste en bas de la carte. N'hésitez surtout pas à aller très nombreux la visiter, cette île. Et surtout, je vous mettrai également l'Instagram de la créatrice. N'hésitez pas non plus à aller la follow sur Instagram. Et donc on est chez Tintin et chez Billy et les habitants de cette île. Eh bien, nous avons Agnès, Colette, oh là là, Alix, oh, Terra, Zinzin, Chimie, Boum Boum, Octoborg, Ruby et Bébert. Et franchement, ah là là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son choix d'habitants. Bref, eh bien, on est parti pour cette visite. Ah là là, waouh, déjà, il y a plein de trucs de poser. Ça, j'adore de ouf. Je trouve que c'est cool quand tu vas visiter comme ça une île et qu'on t'a posé une petite tenue ou des petits accessoires et tout. Je trouve ça beaucoup trop mimi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas. Et petite question de début de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes parti en vacances et si oui, ou, et si vous n'êtes pas parti en vacances, vous pouvez très bien me dire, eh bien, tout simplement, que vous n'êtes pas parti. Je vous soutiens évidemment moralement à 200%. De toute façon, je pense qu'à mon avis, tout le monde ne part pas les 2 mois. Il y en a qui partent les 2 mois entiers de vacances. Ceux qui partent les 2 mois entiers, franchement, vous avez grave de la chance, hein. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance. Bref, pantalon de bureau, non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des sandales confortables, ok. Mais en vrai, j'ai déjà quand même une petite tenue d'été. On va voir si on trouve pas une maxi-robe à la rayure. Ouais, ouais, bof. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une échelle, ok, ça c'est cool. Si on a besoin de monter ou descendre de quelque part. Oh, une petite coupe de champagne, ça c'est cool pour nous souhaiter la bienvenue. Un sac à franges, j'ai déjà mon petit sac à dos nounours. Et franchement, il est beaucoup trop cute. J'ai pas du tout envie de changer. En vrai, franchement, peut-être le canotier. On va essayer. Ah, c'est cool. C'est cool le canotier ou une épingle à frangipanier. Ah ouais, ça c'est cute de ouf. Vous savez pourquoi? Parce que comme je porte les petites couettes de bébé Mev, eh bien, vous savez quoi? Je trouve que c'est beaucoup... Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, cette petite entrée, waouh. Oh, ah là là, c'est super joli. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aimeriez partir sur cette île en vacances. Oh, très sympa, petit parking à vélo ici. Waouh, petite cuisine d'extérieur ou resto d'extérieur en tout cas. Super joli, très 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 bien réalisé. Oh, j'adore. Oh, j'aime énormément ce petit coin. Est-ce qu'il y a moyen qu'elle s'assoie là? Allez là. Bah alors, ah, peut-être que quand j'ai la coupe de champagne, je peux pas m'asseoir. Peut-être que c'est ça. Attendez, on la range voir ce que ça donne. Ah non. Ah si. Et genre là, ah non, je peux pas. Ok, bon bah tant pis. Tant pis. Allez, on va redescendre. Et on va reprendre évidemment la petite coupette de champagne, hein, pour faire le tour de l'île. Attendez, je vais essayer de ressortir d'ici. On va essayer de trouver Dodo Hélène qui ne devrait pas être trop 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 loin. Oh, j'adore ce motif. Je l'avais aussi sur une autre de mes îles. Hop, la petite coupe de champagne. Et on va essayer de se diriger vers la gauche de l'île. Je pense que Dodo Hélène doit être là. Ah yes, comme ça on arrive pile poil. Waouh. Magnifique cette entrée, mais trop belle. Regardez de dos comme c'est joli. Attendez, on se fait un point de vue parce que là c'est vraiment... Waouh. Est-ce que ça marche? Ah ouais. Je pensais pas que ça marchait quand on était en mode appareil photo, mais si. Santé. Santé. Ah, c'est trop mimi. J'aime trop son entrée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, elle est superbe. Oh, ah là là. Et de dos, et attendez, voir. Attendez. Oh, et si on essayait de faire un truc sympa au-dessus
Ici, des escaliers. Oh, ça peut être cool ici, non? Waouh! Ah là là, je sais pas si vous aimez bien, mais moi, waouh! Oh, avec les pins comme ça, franchement, c'est trop beau! Santé! Bon, allez, j'arrête de faire mes bêtises. Et tout de suite, on continue la visite. C'est très, très beau. Hein. Oh, j'adore son entrée. Vraiment. Oh, ok, le musée se trouve juste ici avec un restaurant. Ok, le musée, en fait, je sais ce que je m'imagine, évidemment. Hein. Eh bien, il sert tout simplement de restaurant. Et en fait, eh bien, nous avons la terrasse du restaurant à l'extérieur ici. Oh! Waouh, c'est ultra canon! Waouh, ouais, c'est super mimi, j'adore! Alors attendez, on va essayer de passer par la plage juste là. Oh, on a une petite terrasse ici, en fait, c'est le restaurant du musée, tout simplement. Super bonne idée! Franchement, c'est plus. Regardez avec les petits. Oh, ah ouais, très sympa avec les tableaux. Et puis. Les sculptures et tout ça, très 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 jolie. En tout cas, cette plage est magnifique. Un petit coin pique-nique ici. Waouh, j'adore comment elle a disposé les pergolas au-dessus. Regardez. Oh, regardez comme ça rend bien. C'est super beau aussi. Allez, maintenant qu'on a fait ce petit coin-là, je pense pas qu'on n'en pouvait pas aller plus loin. On va repasser par là. Oh, ça rend très bien la petite souche d'arbre là ici. Regardez ça. Ça rend grave bien. Allez. Oh, il y a une petite. Il y a des vignes ici. Sympa d'avoir utilisé les fleurs violettes. En mode raisin. Ouais, en mode raisin. Allez, j'arrête de blablater, on passe par là. Waouh, avec les cascades et tout, trop joli. Avec les pins aussi, ça rend super bien. Petite ruelle ici. Waouh, avec, je vois les mises doigts de fée, non? Je crois que j'ai vu les mises doigts de fée. En tout cas, très 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 jolie. Ah oui, bah les mises doigts de fée et la boutique Nook qui se trouve juste là. Un petit point de vue, j'imagine, ici, qui doit être très sympa. Attention, surprise. Waouh. Oh! Ah ouais, ça a l'air super cool. Attendez, faut qu'on aille derrière parce que ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Ok, ici, petit coin canapé, si tu as envie de te poser. En attendant, eh bien, que t'attends ta pote en train de faire, qui est en train de faire les essayages. Oh, attendez, la plage en bas a l'air très sympa. Waouh! Oh, regardez la plage en bas! Avec la switch de poser, l'appareil photo, le petit maillot de bain, enfin, la combi de plongée et tout. Waouh! Très, très, très mignon. Et on va tout de suite essayer de voir par où on va pouvoir passer. En tout cas, cette île est très sympa et elle donne grave envie, eh bien, de passer d'y séjourner pendant les vacances. Ici, on a un petit coin. Oh, c'est beau ici. Oh, on est juste derrière la place. Waouh. Ah là là, c'est cool. J'aime bien l'effet avec. Ouais, c'est très 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 joli, j'adore. Je sais pas comment on pourrait déterminer ce petit coin-là, mais en tout cas, il est super cute. Je voulais passer par l'autre côté, mais non, en fait, c'est pas possible. Très sympa, vraiment, avec les petits vases ici et tout. Ouais, c'est très 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 joli. Oh, le petit belvédère ici, ça rend bien. Un petit coin encore ici pour dîner, peut-être en amoureux. Waouh, et un rubis qui se balade. Oh, oh. Mais c'est très joli ce petit coin là, un peu vert là. Oh, waouh, ouais, donc très 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 mignon. Ah, petite balancelle, il y a une bibliothèque en contrebas, une bibliothèque d'extérieur, très jolie aussi. On va essayer peut-être, moi je ferais peut-être plutôt, je passerais peut-être plutôt par là-bas. Là, il y avait des escaliers, on pouvait descendre. Et ah oui, toutes les maisons des habitants sont de l'autre côté de l'île, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh! Waouh! Il y a une espèce de potager. Il y a énormément de potagers sur toutes les îles. C'est vrai qu'en même temps, avec les nouveaux fruits et tout, ça donne évidemment envie de faire un potager. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout fait et je l'ai déjà dit sur ma précédente vidéo. Vraiment, je pense qu'il va falloir que je fasse parce que c'est vraiment cool. Ici, on a la maison principale de l'île. Très, très, très sympa. Un petit. Waouh! Oh, waouh, ce pont est magnifique. On est juste derrière la boutique Nook et les mises doigts de fée. Waouh, c'est très 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 joli. Peut-être qu'on peut passer par là. Oh, j'ai fait une petite glissade. Ah oui. Oh, ah, regardez, on peut faire le tour par là et on peut descendre sur les plages. Je descends pas parce que on la voit d'ici la plage. Hein. Je pense que c'est pas utile qu'on y descende. Et tout de suite, eh bien, on va aller un petit peu plus au fond de l'île. À mon avis, on est bientôt arrivé au fond de l'île. Hein. Ah ouais. On va essayer de passer par là. Oh. Waouh. Waouh, la plage a l'air très. Waouh, c'est très joli. Il y a plein d'endroits pour manger partout sur l'île. Ah ouais, c'est canon! Est-ce que la créatrice de l'île ne serait pas fan de nourriture? En tout cas, cette plage est très jolie. Ah oui, ça donnait sur le potager comme ça. Et ensuite, on a le petit coin comme ça pour dîner. Ouais! Oh, c'est quoi ça?
Ah, c'est un buffet d'extérieur. Oh, ok, et juste ici, il y a une espèce de cuisine d'extérieur. Ok. Oh, on va essayer de remonter. Et maintenant, on va essayer de se diriger eh bien, au niveau plutôt vers le centre de l'île. Ah, peut-être qu'on peut regarder derrière, qu'est-ce qui s'y passe. C'est vrai, j'ai pas trop regardé. Ah oui, en plus, on peut y passer. On passe derrière la maison. Oh, sympa. Oh, ah ouais. Alors attendez, on peut pas s'asseoir en fait avec les coupes de champagne, je savais pas. Et là, je peux pas m'asseoir non plus. Ah bah non, on peut pas s'asseoir. C'est très beau, hein. Oh, c'est super joli. C'est trop bizarre. Je n'ai pas compris pourquoi on pouvait pas s'asseoir. Mais bref, c'est pas grave. On va faire le tour et essayer de passer par l'autre côté. Alors attendez voir. Hop là. Oh, j'aime trop ce petit coin là. On peut pas s'asseoir. C'est trop bizarre. Ah, parce que c'est pas un tabouret en fait. C'est pas une petite table. Je pense que ça doit être ça. N'hésitez pas à me dire, hein. Il y a une deuxième maison juste ici. Oh, c'est trop joli en fait. J'avais pas capté. Oh, les deux maisons comme ça avec le belvédère à Soumaya juste au milieu. Franchement, c'est canon. C'est super joli. Petite terrasse ici, ok. On va essayer de passer par là. C'est un peu asiatique, hein, le style. Franchement, j'adore. Waouh, avec les tortues dorées. Oh, sympa. Il y a un bain juste au-dessus si tu as envie de te prendre un petit bain tranquille là et chill dans les hauteurs. Ah, ça claque. Oh, ah ouais, on peut pas y monter comme ça, mais visuellement, franchement, ça envoie grave. Hein. Franchement, j'adore. Et là, on a les petites vignes. Oh, regardez-moi ça. Oh, petit. Oh, c'est un espèce de spa d'extérieur. Et genre ici, si tu veux, eh bien, tu peux chill et venir te faire masser. Waouh! Ah là là, regardez-moi ça. Oh, qui c'est qui a envie de venir se faire masser sur ce petit coin de paradis là? Oh, aïe aïe aïe, ça donne trop envie. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Waouh! Wow, c'est trop joli. En tout cas, ça fait un point de vue magnifique. Bref, bon. Alors, on continue, on poursuit. Cette visite, je sais pas, c'est très asiatique quand même sur cette île et franchement c'est super cute. On n'est pas du tout. Si on était déjà. Si, si, on est arrivé par là. Ah là là, quelle tête de linotte que je suis. Le petit belvédère vert juste là pour aller évidemment avec le thème couleur de l'île. On arrive vers le centre de l'île. Waouh! Oh! Ah là là, ce coin ici est juste trop beau. Oh, ça rend super bien. Je sais pas si c'est un café, une boulangerie. En tout cas, c'est trop mimi. Et par là, l'accès à la plage de Runar. Oh, wow, trop sympa. Une espèce de petit marché avec, je sais pas, peut-être un fleuriste et un poissonnier. En tout cas, franchement, c'est canon avec les bateaux comme ça. Oh, ça rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop si c'est vraiment une île de vacances. Enfin, moi, je pense quand même que c'est quand même une île de vacances. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment ça le thème de l'île? En tout cas, franchement, très joli. Et on va passer entre les bateaux et on va essayer de se diriger par là. Et on va arriver au niveau des maisons des habitants. Petit quartier, peut-être résidentiel. On va peut-être monter d'abord pour aller voir. Attendez. Hop là. On va essayer de monter par ici. Oh, wow, ça a l'air trop beau. Oh, ah là là, mais quelle bonne idée de mettre les façades de murs de couleurs différentes. C'est pas la première fois que je le vois. Et franchement, c'est grave joli. Est-ce qu'il y a des habitants là qui sont chez eux au-dessus? Ah oui, il y a une maison où il y a quelqu'un. On va tout de suite aller voir si ça a été décoré. Ah là là, j'espère que ça a été décoré. J'ai trop envie de découvrir un petit peu comment c'est. Waouh! Oh, mais c'est trop sympa ce point de vue là. Waouh, c'est trop joli. Il y a les petites chaises ici de camping pour se poser au bord de la piscine, enfin pas de la piscine, de la cascade plutôt. En vrai, ça rend trop bien. Oh, et derrière la maison comme ça, waouh! Oh, avec les petits fragments d'étoiles, des petits fragments d'étoiles. À mon avis, ça doit être très joli de nuit. Ah ouais, d'accord. Waouh! Regardez la plage en bas. Oh, c'est super mignon avec le carrousel et tout. Et ben, vous savez quoi? On va aller maintenant visiter. En tout cas, c'est cool, c'est très fonctionnel. On peut bien accéder partout et tout. Franchement, ça fait plaisir. Attendez, mais je suis pas du tout au même endroit là. Ah si, on va commencer par celle-ci. Allez, c'est parti. Ok, c'est chez Octoborg. Waouh! Et ben, chez Octoborg, ça a été décoré. Très sympa. Oh, waouh! J'adore la décoration de chez lui. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est trop canon. Parce que chez Octoborg, c'est pas du tout comme ça, me semble-t-il. Hein. C'est genre comme dans un laboratoire, non? Il me semble que c'est ça. Mais oui, hein, ça a été décoré. C'est sûr à 200%. Allez, c'est parti. Maison suivante. J'ai vu qu'ici, il y avait quelqu'un. Et allez, go!
Oh, on arrive chez Zinzin. Oh, mais oui, chez Zinzin aussi, il y a beaucoup trop de meubles. C'est cool. Oh, waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a son petit coin de sport juste ici. Petit coin ici, canapé. Le petit coin télé. Ah ouais, franchement, c'est canon. Les étagères sont trop belles. Ça rend trop trop bien avec l'appareil photo et l'album qui sont juste posés juste ici. Franchement, c'est trop trop bien. J'adore le sol, j'aime tout. Oh, franchement, super belle décoration. Allez, next. Alors ici, il n'y a personne. On va redescendre parce que je sais qu'il y a d'autres maisons d'habitants juste en bas. Ah là là, j'espère qu'il y a encore des maisons à visiter. J'aime trop, je suis trop contente. Le fait là que ça a été décoré, franchement, c'est trop trop cool. C'est vraiment, vraiment trop trop cool. Non, ici, il n'y a pas de maison d'habitants, mais en tout cas, la rue est magnifique. Regardez-moi ça avec des terrasses, un peu sur des thèmes et des couleurs différentes. Mais franchement, oh, ouais, cette île est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore de ouf. Et la visite est hyper agréable. Il y a un mix un petit peu de thèmes différents et franchement, ça rend super bien. Je pense qu'à mon avis, il fallait qu'on descende un petit peu ici, peut-être pour qu'on puisse y avoir accès. Je sais pas. Il y a un point d'eau par contre que j'ai pas capté ici. Ah waouh! On a une terrasse en fait au bord de l'eau. Oh, ah c'est trop sympa, j'adore. Oh, c'est super joli. Attendez parce qu'on voit pas bien. Attendez, je vais essayer. Ah, je peux peut-être pas passer. Ah, je peux pas passer. Ok. Et eh ben, c'est pas grave. En tout cas, c'est super joli. Oh, ah ouais, c'est vraiment super sympa. On va essayer de faire demi-tour. Et du coup, je sais pas par où il faut passer. Peut-être que je devrais aller tout au bout. Ah si, regardez, on peut passer. Oh, on peut passer au milieu. J'avais pas capté. Oh, en tout cas, j'adore comment a été structurée encore cette île-là. Franchement, regardez-moi ça. Ce petit coin-là d'espace est très 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 sympa. On va essayer de faire le tour. Et franchement, elle est grave fonctionnelle. On peut bien passer un peu partout et tout. Je me suis pas trop sentie bloquée, franchement. Elle est vraiment trop cool, hein, son île. Vraiment trop trop cool. Et ce coin-là, genre juste ici. Oh, ah ouais, il y a énormément d'objets un peu asiatiques. Et franchement, j'adore. Waouh. Oh, c'est canon ici aussi. Ah là là, il n'y a personne encore chez les habitants ici. Oh, mais quel dommage. Mais attendez, il y a d'autres maisons, hein. Il y a d'autres maisons. Waouh, c'est quoi? C'est une piscine en bas? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non. Ah là là, il y a quelqu'un qui habite ici. On peut pas passer? Non, on peut pas passer par là. Oh mince. Attendez, on va faire le tour. Aïe aïe aïe. Oh, mais c'est trop canon ici. Waouh. Oh. Ah là là. Ah là là, c'est sûr. Oh, c'est trop canon. Genre, t'arrives, t'es sur pilotis. Oh. Mais cet endroit est ultra canon. Tu viens et en fait tu peux venir, tu peux y accéder qu'en bateau. Ah là là, c'est trop 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 canon. Et ben c'est parti, go visiter ici. Oh, oh, waouh, super beau chez Alix, c'est magnifique. Le mur est trop 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 canon. Oh, waouh, ah là là. Alix, tu veux pas t'asseoir à côté là? Et genre on chill ensemble. Ah non, mais c'est énorme. Oh, waouh. Et franchement, c'est canon. J'adore sa déco. Bref, allez, bonne journée. Bon, eh, cette déco était incroyable. Et ce coin ici est ultra, ultra canon. Waouh. Oh, ah là là. Attendez, parce qu'il y a une autre maison d'un autre habitant là-bas. Je veux trop voir s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on va pouvoir aller la visiter? Eh bien non, il n'y a personne. Mais en tout cas, mais c'est tellement joli. Oh. Waouh, mais c'est tellement canon quoi. Genre, tu viens ici, ton accès, il est en bateau. Mais c'est trop une bonne idée. Ah là là, ici il y a quelqu'un, on va tout de suite aller voir. Et puis, si tu veux même aller te baigner, tu vas te baigner. Mais c'est tellement génial. Oh, on est chez Colette. Waouh. Oh, mais ça lui va tellement bien. Mais c'est ultra canon. C'est trop, trop beau aussi chez Colette. Oh, tous les intérieurs des maisons des habitants, là, franchement, ils ont été magnifiquement bien décorés. Le petit ukulélé qui est posé, genre, juste sur la table basse et tout. Non, mais vraiment, trop, trop fan. Et ce plat-là, franchement, mais il me donne trop envie. Miam, miam, miam. Ah là là, c'est un plat à base de palourdes. Oh là 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 là. Ah là là, mais c'est vraiment magnifique, hein. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai trop envie de venir passer les vacances sur cette île, surtout sur ce petit coin de village là. Oh là là, oh, c'est chez qui ça? Oh, on n'a pas encore visité. Il y a Agnès qui est juste là, je ne sais pas chez elle, c'est sûr. Et ben, vous savez quoi, c'est parti, go découvrir. Ah là là, c'est chez Boum Boum. Oh, waouh.
Ah ouais, avec les filets et tout. Oh là là, mais c'est trop canon. Oh, ah ouais, regardez-moi cette déco un peu... Ouais, un peu jungle, je dirais, genre un peu jungle, ouais. Oh là là, franchement, ça claque de ouf. On se croirait dans une cabane, en fait. On se croirait dans une cabane, dans un arbre, en plein milieu de la jungle. Et genre, t'as vu, en fait, sur une île déserte, et t'as vu, en fait, elle est pas vraiment déserte parce qu'il y a Boum Boum qui habite dans un arbre. Donc, elle est pas totalement déserte. Et du coup, eh bien, ça donne vue sur la mer, mais c'est trop, trop, trop canon. J'aime trop. Allez, eh ben, salut, bonne journée. Ah là 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 là, bon, cette visite est trop géniale. Et regardez-moi ça. Ah là là, non mais c'est trop bien. Ah là là, mais j'avais pas capté. Mais bien sûr, regardez-moi ça. Oh, c'est comme si, genre, t'étais sur de la toile. Oh, ah là là, oh non, mais c'est canon. Oh, c'est comme si t'étais sur l'eau en fait. Ah waouh, oh, trop bonne idée hein, d'avoir mis les serviettes comme ça avec le motif. Aïe aïe aïe, qui c'est qui me rejoint là sur cette île de vacances là? Eh ben j'espère que vous serez nombreux parce que bah moi je suis bien là, je suis très 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 bien. Allez bref, on continue la visite. Je sais pas ce qu'on a encore. Je crois qu'on a quasiment visité toute l'île. Il y a juste la plage sur le côté qu'on n'a pas encore visité, mais en tout cas, mais regardez-moi ça franchement, oh, c'est vraiment très 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 joli hein. Oh, ah ouais, vraiment gros GG à la créatrice de cette île. Eh ben ça m'a bien fait voyager et ça m'a donné encore plus envie de partir en vacances. Attendez, on se fait un point de vue parce que j'imagine qu'ici on doit avoir une super belle vue sur évidemment ce petit coin de village de vacances. Oh là 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 là. Ah ouais, moi je veux emménager ici, c'est sûr. Hein, c'est sûr de sûr. Et oh là là, mais regardez tout le tour de l'île. Oh, c'est trop bien. Oh, et ici donc du coup tu peux descendre sur la plage. Waouh! Petite plage, bon, bah cool, bien décorée. Tout au bout, on avait le carrousel, me semble-t-il. Ouais! Oh, ouais, franchement, c'est canon. Oh, je suis trop contente encore une fois. Franchement, ça, je vais encore me répéter, mais je me loupe pas trop hein, sur les visites d'île. Je sais pas ce que vous en pensez. Sachez quand même, je me précise, je ne visite absolument pas du tout les îles avant. J'y vais vraiment en mode freestyle. J'y mets mais vraiment, vraiment en mode freestyle. Le petit ponton ici en mode pêche, super cool. Ce petit coin aussi, il est très mignon. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies hein, pour toute l'île. Il y a plein, plein, plein de couleurs mélangées, des thèmes un peu naturels, moins naturels. On a le camping qui se trouve juste ici. Il y a plein de petits accès un petit peu de partout. Ici, ouais, j'avais capté. On revient où on était au niveau du village de vacances sur Piloti. Et franchement, ouais, c'est cool. La petite bibliothèque d'extérieur qu'on n'avait pas encore eue, qu'on voyait juste quand on était un petit peu plus haut en contrebas. Et juste ici, on revient. Je sais pas. Ah, on arrive directement sur la place. Ok, on est à l'entrée de l'île. Et ici, on a une réception. Ah là là, c'est cool. La réception, évidemment. Eh bien, ou un petit bar, tout simplement de plage, je sais pas, réception ou bar de plage, c'est comme vous voulez. Et ici, on avait déjà vu ce petit coin-là en début de vidéo. Et ici, non. Oh, Yashimi, regardez, elle est trop mignonne, j'aime trop cette habitante. Ah là là. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, eh ben, elle était bien géniale. Hein. Franchement, géniale cette visite d'île. Aïe, aïe, aïe. Un petit voyage de plus pendant ces vacances, histoire de vous divertir encore un petit peu avant la rentrée, c'est pas tout de suite, on en profite un maximum. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette visite d'île vous a plu. En tout cas, moi, évidemment, j'ai encore pris un super plaisir à vous la faire découvrir et à la découvrir moi aussi. N'hésitez surtout pas, si vous aimez Animal Crossing et que vous avez envie de continuer cette aventure avec moi, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, le petit like qui fait plaisir. Moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kibichis!